الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الإمام الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم الإمام الطحاوي il dit qu'on espère pour les bienfaisants ceux qui ont œuvré dans le bien ceux qui ont cru ceux qui ont obéi ceux qui ont délaissé les péchés on espère que Allah Ta'ala leur pardonne les faire rentrer au paradis ولا نأمن عليهم parce que les actes dépendent de la fin parce que actuellement il est en bon état il est dans la piété mais sur quel état il va mourir c'est ça qui compte العبرة بالختام ولا نأمن عليهم لأننا لا ندري هذا الإنسان على أي شيء يختم له لكن نقول من مات على التقوى لا بد أن يدخل الجنة من غير عذاب كما وعد الله والله تعالى لا يخلف الميعاد On dit, celui qui meurt en étant croyant pieux, il rentre au paradis sans châtiment, puisque Allah a promis pour les bienfaisants, pour les pieux, le paradis sans châtiment. Alors, et Allah Ta'ala réalise et donne ce qu'il a promis. Hakadha. Allah Ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Amma idha ra'ayna insan halu hasan, fa nahnu narju lahu al-jannah. Hatha, ala hathi al-hal, yurja lahu al-jannah. Lakin al-ibra bi al-khitam. Si on voit une personne dans un bon état, il est dans la science, dans la pratique, la bonne croyance, il prie, il jeûne, il s'éloigne des péchés, il s'éloigne de l'haram, on dit, Inch'Allah, s'il continue comme ça, il ira au paradis. Mais les choses dépendent de la fin. Al-a'malu bil-khawatim. قال الطحاوي ولا نشهد لهم بالجنة يعني نحن لا نقول فلان في الجنة وفلان في النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد له رسول الله بالجنة قلنا هو في الجنة من شهد له رسول الله بالنار قلنا هو في النار لكن ليس من عند أنفسنا ننزل فلانا جنة أو ننزل فلانا نارا alors il a dit l'imam Tahawi on ne témoigne pas qu'un tel il est dans le paradis c'est-à-dire de notre propre initiative non Si le prophète Mohammed a annoncé le paradis pour certains, comme Abdullah ibn Salam, comme Abu Bakr al-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, Talha al-Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, les personnes à qui le prophète leur a annoncé le paradis, nous aussi, on dit, ils sont dans le paradis. Parce que le prophète, s'il a dit ça, il a reçu une révélation à ce sujet. Encore, les gens qui ont participé dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud, الذين شهد لهم النبي بالجنة من كان في معركة بدر من كان في معركة أحد أيضا نشهد لهم بالجنة لأن النبي شهد لهم بالجنة أما غير الذين شهد لهم النبي بالجنة نحن لا نقول فلان في الجنة de notre propre initiative هلا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا أدنى ومن رأى النبي بعضهم قال على صورته الأصلية يبشر بالجنة نقول يبشر بالجنة celui qui voit le prophète عليه الصلاة والسلام dans le rêve sur son vrai aspect ça c'est une bonne nouvelle qu'il meurt sur l'islam alors on dit voilà c'est une bonne nouvelle que celui-là qui a vu le prophète عليه الصلاة والسلام c'est une bonne nouvelle qu'il meurt sur l'islam qu'il ira au paradis de cette manière on exprime قال الطحاوي ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم إذا واحد من هؤلاء المسلمين مات وهو على الذنوب ندعو له نستغفر له نسأل الله تعالى أن يرحمه alors si un parmi les musulmans il est mort en ayant des péchés on demande à Allah تعالى qu'il lui pardonne Ou il n'est pas encore mort, mais il est dans le péché. Encore, on fait des invocations en sa faveur, que Allah le guide, que Allah Ta'ala lui pardonne. Tu vois? Parce que Allah Ta'ala pardonne à qui il veut parmi les musulmans. Mais
pour les mécréants, il ne pardonne à, il ne pardonne à, il ne pardonne à personne. بالنسبة للمسلمين الله تعالى يغفر لمن يشاء منهم ما دون الكفر ربنا يغفر لمن يشاء أما من مات كافرا فلا يغفر له. هل هذا الإنسان المذنب الذي أذنب وزل كبائر وصغائر نحن ندعو له بالهداية أن يتوب الله عليه أن يهدي قلبه أن يغفر له وإذا مات أيضا على هذه الحال قبل التوبة أيضا ندعو له نستغفر له ولا نقول هو في النار ما يدرينا أن يغفر الله له. Alors si une personne a fait des péchés, même s'il n'est pas mort, on demande à Allah Ta'ala qu'il le guide, qu'il lui pardonne. Et s'il est mort avant de se repentir encore, on demande à Allah Ta'ala qu'il lui pardonne. Comme Allah Ta'ala nous a ordonné dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Mais on ne dit pas pour celui qui est mort en étant dans le péché, il est musulman, mais il a fait des grands péchés. On ne dit pas il est dans Jahannam, il est dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'on sait? Allah Ta'ala, قُلْ يَأْقَالْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. أي يغفر لبعض المسلمين جميع ذنوبهم. Alors il ne faut pas que la personne soit désespérée de la clémence de Dieu. Même s'il a fait des péchés comme les montagnes, Allah pardonne à qui il veut. ونقطع جزما بأن الذي تاب من الذنوب توبة صحيحة أن الله يغفر له لحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا قال بعضهم قال هو قال عسى عسى هذا يقال فيه إطماع ولكن هذا إطماع أي أنه يعني أقبل إلى الله بالتوبة الله تعالى يمكن أن يغفر لك ويسامحك ولكن هذا الإطماع من رب العالمين أكرم الأكرمين فهو محقق لا محالة فهو محقق لا محالة. Alors on dit catégoriquement que celui qui se repent d'un péché a une repentance valable, une repentance qui remplit tous les piliers de la repentance, alors Allah lui pardonne. Et Sayyidina Muhammad a dit, celui qui se repent d'un péché, comme s'il n'a pas péché. Et Allah Ta'ala a dit, dans le Coran al-Karim, ce qui signifie, ô vous les croyants, repentissez tous à Allah une repentance sincère, afin qu'Allah pardonne à vos péchés. Alors là, on a dit qu'il y a le mot « asa », c'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est possible qu'Allah vous pardonne, mais ça c'est de la part de Dieu, c'est assuré, c'est une chose qui aura lieu sans doute. لعلو قطعت كلمة من قبل ما شرحتها سأعود إليها. إذن نستغفر للمسيئين ونخاف عليهم. Alors maintenant, celui qui est mort en ayant dans les péchés sans se repentir, il risque d'être dans l'enfer. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا أَنْ يَسْقِيَ شَارِبَ الْخَمْرِ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. Alors il y a certains parmi les musulmans qui vont aller à l'enfer, qui vont rester longtemps encore, à tel point que les mécréants pensent qu'ils vont rester éternellement. Mais Allah les fait sortir. Mais ils ont resté longtemps jusqu'à que les koufars ont cru qu'ils vont rester toujours. Alors, certains désobéissants, ils sont dans un état grave. Allah Ta'ala a préparé un très dur châtiment pour les mécréants et pour certains musulmans désobéissants. Bon, les musulmans, ils n'auront pas un châtiment comme un mécréant. Mais quand même, le fait d'être dans Jahannam, même un laps du temps, ce n'est pas facile. Même une minute, ce n'est pas facile. Dans le bas-monde, si tu restes, si tu t'assois sur un grill plein de charbon, 3-4 kilos, bien, bien, bien brûlé, si tu restes une minute, tu vas aller à la cerise. C'est alors si c'est dans Jahannam. Alors celui qui est mort avant de se repentir, il est dans un grand danger. Mais c'est possible qu'Allah Ta'ala pardonne à qui il veut parmi ces musulmans désobéissants. Nous, on ne dit pas qu'il est dans Jahannam, il n'aura pas le pardon de Dieu. Non,
C'est possible qu'Allah lui pardonne ses péchés. وَلَا نُقَنِّطُهُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا نَقُولُ اللَّهُ لَا يَغْفِرْ لَكُمْ. On ne dit pas que non, Allah ne vous pardonne pas, vous seriez dans Jahannam, vous auriez. Ou certains disent, Wallah al-Azim, tu vas être dans Jahannam. Allahu Akbar, de quel, qui es-tu pour dire, Wallah al-Azim, tu vas être dans Jahannam? Qui a dit? Allah Ta'ala t'a dit que celui-là, il va être dans Jahannam? De quel droit tu dis que celui-là, il va être dans Jahannam? C'est possible qu'il sera pardonné, même si il a commis 10 fois plus que toi des péchés. C'est possible qu'Allah lui pardonne. يمكن هذا الإنسان عصى أكثر منك 10 مرات ويجوز أن يغفر الله له وأنت يعاقبك. الله يفعل ما يشاء. على أي أساس أنت بتقول في النار؟ كما أنه لا يجوز أن يقول أنا في الجنة. C'est pas valable, c'est haram, c'est grave de dire je suis au paradis. Moi je sais, je vais aller au paradis. Qu'est-ce que tu sais toi؟ بعض الإنسان مطلوب أن يكون خائفا راجيا. Il faut qu'on soit dans la crainte et dans l'espoir. C'est pour cela on a dit qu'il ne faut pas dire à celui qui a fait des péchés, Allah ne vous pardonne jamais, tu seras dans Jahannam. Non. إنما نقول لهذا الإنسان توب إلى الله كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولمن خاف مقام ربه جنتان يا عبادي فاتقون. إذن كثير من الآيات فيها حث على التوبة وأن الله يقبل التوبة وأن الله يعفو عن المذنب الذي تاب من ذنوبه. في كلمة قبل مررنا عليها من غير أن نعلق عليها قال الطحاوي ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله لأن هناك فرقة كان يقال لها المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر حسنة لكن هذا قياس فاسد جدا قياس فاسد جدا الكافر لا تنفع معه الحسنة لأنه لا تصح نيته هذه عبادة العبادة تحتاج إلى النية النية لا تصح من الكافر لكفره لا يتقبل منه لا يتقبل منه عبادة أما المسلم إذا عمل معصية إيش المعصية تحتاج إلى نية لا تحتاج إلى نية فتكتب عليه المسلم إذا شرب الخمر تكتب عليه معصية إذا زنى إذا سرق إذا أكل الربا إذا ظلم إذا اغتاب الناس إذا عق والديه تكتب عليه هذه المعاصي لا يشترط لها نية لكن هؤلاء الله تعالى أضلهم قاسوا قياسا فاسدا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر حسنة. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait le Murji'a. Actuellement, ça n'existe pas, ce groupe. Peut-être il y a des individus, mais on ne voit pas un groupe où il y a des gens qui défendent leur mauvaise croyance. Et ces gens-là, ils ont dit, il n'y a pas de gêne, ce n'est pas grave du tout, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de problème de faire des péchés tout en étant croyant. Ils ont dit comme les hasanat ne seront pas acceptés avec la mécréance, alors les péchés ne sont pas graves avec la foi. Et ce n'est pas nuisible, ce n'est pas gênant, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est vraiment une fausse analogie. C'est très grave, là. Le mécréant, s'il fait des actes de bien, ne seront pas acceptés parce que l'intention n'est pas valable. Et pour qu'un acte de bien soit accepté, il faut avoir une intention. Et puisqu'il est mécréant, son intention n'est pas valable de lui. C'est pour cela. Maintenant, un musulman, s'il fait un péché, sera écrit un péché. Et pour le péché, on n'a pas besoin de faire une intention. Celui qui a bu l'alcool, c'est un péché, même s'il n'a pas fait l'intention de désobéir. S'il fait la fornication, s'il vole, s'il fait la médisance, s'il insulte ses parents, s'il fait du mal à son voisin, il a fait de grands péchés, même s'il dit « Ah, je n'ai pas fait l'intention ». Tu n'as pas besoin de l'intention ici. Le péché est écrit sur toi, même si tu n'as pas fait l'intention. Alors, tu vois comment ils ont fait cette analogie. Ils ont dit « Avec la mécréance, les hasanats ne sont pas valables ». Alors, ils ont dit « Les péchés avec la foi, ce n'est pas grave, ne sont pas nuisibles, ne sont pas gênantes ». Pas du tout, ce n'est pas vrai. Allah interdit sur le musulman de désobéir. De ce fait, les péchés sont gênants. Allah harram alayna al-ma'asi. Fa'idh wahad asal ilah. Kif la yakun hadha darran? Wa huwa asal ilah. Wahad ya'sil ilah wa la yakun fi dhalika madarra. Shu hal tafkir al-sakhif? Quelqu'un a désobéi à Dieu. Il a volé, il a tapé sa mère.
il a fait du mal à son voisin, il a forniqué, il a bu l'alcool, il a pris l'usure, il a fait le jeu de hasard, avec l'argent, le qimar. Alors avec ça, on dit c'est pas nuisible et il a désobéi à Dieu. Celui qui désobéit à Dieu, c'est pas grave, bien sûr c'est grave. Alors que c'est des gens qui ont fait une très fausse analogie. Il n'existe pas actuellement ce groupe qu'on les a nommés al-Murji'a. Nabi قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام القدرية والمرجئة. Le prophète a parlé de ces deux groupes, ceux qui ont nié le qadar et ceux qui ont dit ah, c'est pas nuisible, c'est pas un problème, c'est pas gênant avec la foi, n'importe quel péché n'a pas d'effet, n'a pas de mauvais augure, n'est pas nuisible. Et Sayyidina Muhammad, il a dit, ce sont deux groupes qui ne sont pas dans l'islam. Ils s'attribuent à l'islam, mais ils ne sont pas des musulmans. Al-Qadariya, ceux qui ont nié le qadar. Al-Murji'a, ceux qui ont dit que le musulman, avec l'islam, il fait ce qu'il veut des péchés, ça n'a pas d'effet, c'est pas nuisible, c'est pas grave, il ne reste rien dans le jour du jugement. Alors ça, c'est très faux. Et ça fait sortir de l'islam. Al-Ulama qalu hadha kufr. Ils n'ont pas dit ces gens-là, ils ont une mauvaise interprétation, alors ils n'ont pas mécru. Si, ils ont mécru. Alors, لأن الله قال في القرآن الكريم إنك من تدخل النار فقد أخزيته والمؤمن كيف يكون من أهل الخزي؟ قالوا هكذا. قالوا إذا لا يدخل النار لأنه يكون من أهل الخزي وهو من أهل الإيمان. فقال العلماء إنك من تدخل النار إدخالا أبديا فقد أخزيته وليس أنه أدخل إلى وقت بسبب الذنوب هذا ليس من أهل الخزي. Alors, j'ai dit, ils ont mal interprété une ayah qui signifie que celui qui tu le fais rentrer à l'enfer sera parmi les personnes humiliées et méprisées. Alors, l'ayah, il s'agit de ceux qui rentrent dans l'enfer éternellement sans jamais sortir, alors ils seront parmi ceux qui sont humiliés et méprisés. Mais le musulman, le croyant qui est rentré dans Jahannam, dans l'enfer à cause de certains péchés, c'est pour une durée, alors il ne sera pas méprisé comme les mécréants. Il ne sera pas dans l'humiliation comme les mécréants. Alors encore, ils ont mal interprété, mais cette interprétation ne les sauve pas. هذا التأويل الفاسد لا ينجيهم لا يمنع عنهم التكفير لأنهم خالفوا في أمر معلوم من الدين بالضرورة وإلا ما معنى الوعيد المذكور في شارب الخمر وفي الزاني وفي تارك الصلاة وفي تارك الزكاة ونحو ذلك. Si il n'y a pas d'effet sur les péchés et que personne parmi les musulmans désobéissants sera châtié, alors pourquoi le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, sortira de l'enfer? C'est lui qui a dit, la ilaha illallah, en ayant le minimum de foi, sortira de l'enfer, c'est-à-dire il était dedans. Et celui qui a bu de l'alcool, il va boire de ce qui sort de pus, de mécréants, ou les pus des gens qui seront dans Jahannam, il va boire de ce pus-là. Alors que ça veut dire? Ça veut dire il est dans Jahannam et il va boire de ça. Et il y en a encore beaucoup de hadiths. Bon, لكن هؤلاء قالوا كلمة قالوا شيئا. الإسلام الدين ليس بالرأي إنما بالاتباع. Dans la religion de l'islam, on ne va pas parler chacun selon son avis, mais c'est plutôt on parle selon ce que Allah a dit, ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ما هو الأمن والإياس؟ تعريف الحنفية: الأمن أن يقول الإنسان الله لا يعذب أحدا من أهل الإسلام. Alors, الأمن, le fait de dire pour الحنفية que personne parmi les musulmans désobéissants sera châtié. هذا الأمن من عذاب الله. الأمن من مكر الله. Le fait de dire personne parmi les musulmans désobéissants sera puni et châtié. Alors, Al-Ahnaf ont dit que celui qui dit ça, il a mécru. Et les autres imams ont dit la même chose. Même Shafi'i, même Malik. Celui qui dit personne parmi les musulmans désobéissants sera puni, sera châtié, c'est de la mécréance.
Mais la définition de l'Ahnaf, en parlant de l'Amn, ils ont généralisé. Ils ont dit, s'ils parlent de tous les musulmans désobéissants qui seront tous pardonnés, alors c'est de la mécréance. Shafi'iyya, ils ont dit, l'Amn min makrillah, c'est un grand péché parce qu'ils ont défini que la personne parle envers lui-même, à ce que lui concerne. Il dit, moi, je songe que Allah me pardonnera. Je ne vais pas aller à l'enfer. Allah me pardonnera. Il parle de lui-même. Il ne généralise pas pour tous les musulmans désobéissants, mais il parle de lui-même. En étant dans le péché, il dit, Allah me pardonnera. Il a commis un grand péché, puisqu'il parle de lui-même et il n'a pas généralisé envers toute la communauté. Al-Iyas, أيضا الأحناف قالوا الذي يقول الله لا يغفر لأحد من المسلمين معمما يقول كل المسلمين العصاة لا بد أن يعذبوا لا يغفر لواحد منهم قالوا هذا كفر وأيضا الشافعي يقول عن هذا كفر وقال أيضا المالكي يقولون عن هذا كفر لأنه ورد بأحاديث كثيرة وعد وآيات أن الله يغفر لبعض المسلمين alors الإياس le fait de dire le fait de désespérer de la clémence de Dieu est généralisé au niveau de toute la communauté, de tous les musulmans désobéissants, dire personne n'aura le pardon de Dieu. Tous les musulmans désobéissants seront châtiés sans avoir de la clémence, sans être pardonnés. Comme ça, ils ont défini Al-Ahnaf, et sur ça, le jugement est de la mécréance. Chez eux et chez les autres, c'est de la mécréance, parce qu'ils généralisent pour toute la communauté. Ils disent, voilà, personne n'aura le pardon de Dieu. Mais à Shafi'iyya, ils ont dit, Al-Iyas, Al-Shafi'i a dit Al-Iyas, c'est le fait de dire que Allah Ta'ala me châtiera, ne me pardonnera pas, et en parlant de lui-même, il parle de lui-même, il dit moi, Dieu ne me pardonnera pas, il va me jeter dans le feu de l'enfer, j'ai fait beaucoup de péchés, je ne serai pas pardonné, je serai à Jahannam, alors c'est un grand péché. Même si tu as fait des grands, tu n'as pas le droit de dire je suis dans Jahannam. Comme l'autre, il n'a pas le droit de dire je suis dans le paradis. Toi, tu n'as pas le droit de dire je serai dans Jahannam. خلينا نقول الذي يقول أنا إذا مت على التوبة والإحسان أدخل الجنة من غير عذاب هذا ما فيه عصيان ولا فيه مخالفة لأن الأمر يعلقه على حسب الحال. والله وعد من مات على هذه الحال si la personne dit que si je meurs dans un bon état en faisant toutes les obligations en délaissant le haram je serai au paradis sans châtiment ça c'est vrai mais ça on ne dit pas qu'il a dit je suis dans le paradis il dit si je meurs dans un bon état avec la piété en délaissant le haram je serai pas au paradis ça on peut le dire parce qu'Allah a promis à ses bienfaisants le paradis la récompense sans être puni et châtiment. اذا اللي بدي اقوله انه اذا الامن والاياس فسره بالعموم لكل الناس فهو كفر عند الحنفيه وغيرهم. Si on définit c'est quoi le fait de se considérer en sécurité de châtiment ou désespéré de la clémence et il le généralise pour toute la communauté. Alors l'Ahnaf ont dit que c'est de la mécréance et les autres aussi ont dit la même chose. Si la personne, il spécifie à son sujet, il dit, moi, je ne serai pas châtié. Ou il dit, moi, je ne serai pas pardonné à son sujet. C'est un grand péché chez Shafi'iyya et les autres parce qu'ils ont dit que lui, il parle de lui-même. Il a commis un grand péché, tu n'as pas le droit de dire, je serai pardonné ou le fait de dire, je serai châtié. مع على الذي يقول حتى الذي تاب من الذنوب توبة صحيحة الله لا يغفر له هذا يكفر. Maintenant celui qui dit que celui qui se répand une repentance valable où on a rempli tous les conditions, tous les piliers, délaisser le péché, faire l'intention de ne plus revenir, regretter s'il s'agit d'un droit de l'être humain, on lui a retourné. Il dit, même si tu demandes pardon, Allah ne te pardonne pas. Alors, c'est comme il rejette alors l'ayat ou la hadith. C'est comme il rejette certains ayats dans le Coran et certains hadiths, et c'est de la mécréance. Aïdan, khalli insan yalzam haddahu, fala yaqul ala Allahi ma la ya'lam. Alors que chacun prend ses limites
il préserve ses limites, qu'il garde ses limites. Il ne faut pas qu'on dise des choses que ça dépend de notre Seigneur le jour du jugement et que nous on dit actuellement de notre propre initiative. فليتق الله امرؤ وليلزم حده وليقول انا تحت مشيئة الله سبحانه ان شاء عذبني وان شاء غفر لي. On nous sommes sous la volonté de Dieu. S'il veut, nous pardonnera. S'il veut, nous châtiera. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربنا يا رحيم يا كريم يا عظيم يا رب العرش العظيم, في هذه الساعات القليلة أو في هذه الدقائق القليلة البقيت لنا من هذا الشهر الفضيل, نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة وأن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية وحسن الختام يا رب العالمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من عذاب القبر واصرف عنا عذاب جهنم, واحشرنا يا ربنا تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم, ووفقنا لما تحبه وترضاه, وأعنا على ما تحبه وترضاه, واغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم اجز عنا نبينا محمدا خير الجزاء, واجز عنا آل بيته وأصحابه خير الجزاء. اللهم تب علينا وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.